Et il veut la donner du temps. Et bien, c'est bien ce qu'on attend d'eux. Et la première montée, la frappe. Attention, ça but. Oh, le but. But de la sélection à Prime. L'euphorie du meilleur buteur du championnat national Elite One après son but marqué à la deuxième minute face à la sélection nationale fagnon de football du Cameroun. Joseph Vianney Apam ouvre le score au stade de Bepanda à la surprise générale. Il vient de surprendre donc le portier des billets passé sur la toute première montée à la deuxième minute de ce match. Au sein du championnat Elite One, Joseph Vianney Apam est le meilleur buteur après la 20e journée. À l'actif du milieu de couloir d'APGS Dunfou, 8 passes décisives, 12 buts dont 9 décisifs en 16 matchs joués, APGS Dunfou en est venu à reposer sur lui. Il a marqué à lui seul un peu plus de la moitié des buts de l'équipe. APGS, c'est plus qu'une famille pour moi déjà. Ça fait ma troisième saison que je suis déjà dans l'équipe professionnelle et je me sens parfaitement bien. Du haut de son 1m75, 72 kg, Vianney a déjà comme réputation de surprendre les défenseurs et de rendre insomniaires les gardiens de but. Ma force déjà, c'est le collectif de notre équipe et individuellement le travail. Le travail. Et nous sommes dans une équipe joueuse, une équipe solidaire, une équipe avec qui on s'entend parfaitement quand nous sommes au terrain et quand nous entrons au stade, nous voulons tout donner. Ce qui fait que lorsqu'on est dans ce genre d'équipe, on ne peut que briller. Avec l'évolution de sa position sur le terrain, le jeu de Vianney devient plus altruiste et révèle ses qualités de passeur. Il sait particulièrement bien exploiter l'espace dans le dos des adversaires, non seulement en courant plus vite que les défenseurs, mais aussi et surtout grâce à sa qualité technique. Honnêtement, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, la percussion, la puissance. Je pense qu'il répond aussi présent à ce que l'équipe attend de lui en dehors de l'individualité. Pour ma part, je pense que c'est un talent à suivre. Ses qualités, c'est le dribble. Il a le dribble facile, la percussion, la vitesse, vitesse dans le dribble. Et il est assez adroit devant les buts. Donc c'est un joueur capable dans une petite surface d'éliminer 2 à 3 joueurs et de se procurer des occasions de but. Donc techniquement, il a une belle technique, je dirais sur 10 on pourrait lui donner 8. La maîtrise des balles, la conduite, bref, ce qu'il faut pour un attaquant, c'est un élément important et c'est notre maillon fort en attaque. Sur le terrain, quand il a pas mal le ballon, il veut juste s'amuser. Tous les gestes et autres qu'il fait, ça vient naturellement. Comme tout footballeur professionnel, le rêve c'est de pouvoir décrocher un contrat professionnel à l'étranger et de pouvoir faire une très belle carrière. Et en tant qu'attaquant, déjà les nombres de buts que j'ai marqués, c'est une satisfaction, une motivation personnelle pour pouvoir toujours donner le meilleur de moi. Âgé de 21 ans, Joseph Vianney Apam est capable de jouer à tous les postes de l'attaque, à gauche, à droite, en pointe ou en soutien. Attaquant, buteur, passeur, dribbleur, l'artificier d'APGS Dunfou rêve d'horizons plus glorieux où il continuera de faire étalage de son talent.